les deux assemblées. D'emblée, nous sommes dans Psaume chapitre 1er. Psaume chapitre 1er. Alors, on va demander à Loïc, si c'est possible, ou à Herman, de nous faire la lecture à partir du verset 1er. Donc, tout le psaume 1er. Ok, psaume chapitre 1 à partir du premier verset. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la loi de Yahweh, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Et ainsi, tout ce qu'il fera réussira. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Yahweh connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Voilà. Voilà. Donc, alors ici, ce passage, bien sûr, nous parle de deux assemblées. La première, c'est laquelle, Herman? Celle des justes. Donc, l'assemblée, d'après, bien Pas sûr, les Écritures ici. des moqueurs. Voilà, la première assemblée dont il est question, c'est l'assemblée des moqueurs. Et la deuxième, c'est celle de justes. Mais en fait, celle des justes vient dans la pensée de Dieu. Elle existe avant celle de méchants, bien sûr. Donc, il y a deux assemblées, l'assemblée des justes et l'assemblée des moqueurs. Voilà les deux assemblées dont il est question, mes amis, dans les Écritures. Et c'est à partir de ce passage-là que nous allons développer notre enseignement. Donc, vous n'êtes pas, bien sûr, sans savoir que les Écritures nous parlent à chaque fois de deux réalités, hein, donc deux réalités spirituelles ou, bien sûr, physiques. Il y a, bien sûr, Dieu, notre Père, notre Créateur d'un côté, et vous avez, bien sûr, le diable de l'autre. Dieu est lumière, Satan est ténèbres. Dieu est vérité, Satan est menteur. Et nous avons également les deux Adam, donc le premier qui est bien sûr spirituel et le deuxième qui est naturel, physique. Vous avez également deux villes, vous avez la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre, là bien sûr par rapport au Seigneur, par rapport au royaume de Dieu, mais par rapport à Dieu et à l'ennemi. Vous avez le royaume de Dieu, vous avez aussi le royaume de Satan. Et voilà, donc vous avez... Et comment dire, vous avez la Jérusalem céleste et vous avez la Babylone qui représente en fait le monde. Donc il y a ces deux, n'est-ce pas, réalités. Vous avez la semence, vous avez l'ivraie, donc par rapport aux semences, vous avez l'ivraie et le blé. Et vous avez également ces deux églises, hein, donc l'église de Christ que lui seul a bâti. Et vous avez aussi, bien sûr, l'église, bien sûr, de l'ennemi, qui est dirigé par les hommes. Alors, la parole est claire, béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est-à-dire selon les avis hein, des méchants, selon leurs projets, selon leurs buts, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. Voilà, donc, pour votre information, l'assemblée des moqueurs est beaucoup plus, n'est-ce pas, et sur le plan numérique, est beaucoup plus grande que l'assemblée des saints, que l'assemblée des justes. Alors, l'assemblée des moqueurs a été, bien sûr, mise en place par l'ennemi pour attaquer, pour combattre la vraie église. Voilà. On va d'abord parler de la vraie assemblée, de l'église véritable. Et nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 7. N'est-ce pas? Merci Seigneur pour ta parole. Verset 38. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut les paroles de vie pour nous les donner. On peut commencer par le verset 35, Loïc, s'il te plaît, jusqu'au verset 38. Ce Moïse qu'il avait rejeté en disant, qui t'a établi prince et juge? C'est lui que Dieu envoya comme prince et comme libérateur par le moyen de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est celui qui les tira dehors en opérant des miracles et des prodiges au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui a dit aux enfants d'Israël, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le, c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut les paroles de vie pour nous les donner. C'est lui qui, Moïse bien sûr, n'est-ce pas? C'est lui. Donc Moïse, lors de l'assemblée
au désert. Hein? Donc, alors, bizarrement, ici, quand on lit un peu les textes dans les langues originelles, c'est-à-dire le grec notamment ici, et on apprend que le terme utilisé pour parler de l'assemblée, le terme traduit par assemblée en français, en fait, c'est ecclésia, tout simplement. C'est le même terme que le Seigneur, notre Maître, va utiliser pour parler de la vraie Église. Et on apprend que, hein, dans la pensée d'Étienne, hein, n'est-ce pas, et la première Église, n'est-ce pas, c'est l'assemblée des enfants d'Israël dans le désert. Comme vous le savez, Moïse, c'était l'ombre et Christ est la réalité, hein, n'est-ce pas, ou le corps de cette ombre. Donc, on ne peut pas parler de l'Église véritable, de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, l'Église que Christ a bâtie, sans bien sûr faire mention d'Israël. C'est pas possible. Et n'oubliez pas que la première Église, elle était essentiellement juive. Elle est née, cette Église, dans Actes 2, avec 120 Galiléens qui étaient tous, n'est-ce pas, originaire de la Galilée. Donc cette église-là, qui était la première église, n'est-ce pas, elle n'était pas du tout, comment dire, composée des nations, hein, des personnes issues des nations, mais elle était totalement juive. Pourquoi? Parce que c'était comme une continuité, n'est-ce pas, de l'assemblée d'Israélites dans le désert. D'ailleurs, Moïse dira, comme on a lu ici, que Yahweh, votre Dieu, en parlant aux enfants d'Israël, allait susciter, hein, susciterait, n'est-ce pas, parmi vous, d'entre vos frères, du milieu de vos frères, un prophète comme moi, c'est-à-dire un prophète de l'Exode, qui allait, n'est-ce pas, qui irait devant le pharaon de ce monde, c'est-à-dire Satan, pour libérer le peuple de Dieu dans le but de bâtir une assemblée. En fait, Moïse était le premier homme que Dieu a utilisé pour construire, pour bâtir la première église, c'est-à-dire Israël. Israël, dans le désert de Sinaï, était une préfiguration de la vraie église que nous sommes. N'est-ce pas? Et cette église-là était remplie de... Il y avait, bien sûr, les 12 tribus d'Israël. Et ensuite, il y avait aussi d'autres peuples qui, n'est-ce pas, avaient suivi les Hébreux lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Donc c'était une belle image de l'Ecclésia. Et regardez bien cette église, n'est-ce pas, à la tête de laquelle il y avait Moïse, bien sûr Aaron et également Marie, donc mais plutôt Moïse, on va dire. Regardez cette église-là, elle n'était pas dénominationnelle. Elle n'était pas du tout, mes amis, une église fédérée. Il n'y avait aucune fédération. Elle n'était pas dans une fédération. Elle n'était pas, mes amis, comment dire, enfermée dans un bâtiment. C'était une église en marche, en mouvement. Et elle avait plusieurs stations, plus de 45 au moins. Et cette église-là, elle suivait non un homme, ni une organisation ecclésiastique, mais elle suivait la nuée de Dieu. C'est quand même incroyable. Mes amis, nous avons ici, n'est-ce pas, une belle image quand on lit le livre d'Exode. Cette église, mes amis, a célébré la première fête de Yahweh qui était la Pâque, l'image de la croix. Cette église a été rachetée par la Pâque, l'église dirigée par Moïse sous l'égide de l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Moïse lui-même qui était devant suivait aussi, bien sûr, la nuée. Et tant que la nuée ne se déplaçait pas, la parole nous dit, cette église ne se déplaçait pas. Et cette église se déplaçait, n'est-ce pas, au son des chauffards, au son des trompettes. Vous voyez, non, mes amis? Et elle siégeait où? Elle siégeait en face du tabernacle. Il y avait quatre côtés, n'est-ce pas, du tabernacle, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et au milieu, il y avait, n'est-ce pas, au milieu de cette église, il y avait le tabernacle dans lequel il y avait l'arche. L'image de Christ. Et Yeshua, n'est-ce pas, n'a-t-il pas dit dans Matthieu 18, car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu. Eh bien, cette église-là avait en son sein, au milieu d'elle, eh bien, l'arche, Yeshua. Voilà la véritable église, mes amis. L'arche était au milieu d'elle et cette église obéissait aux lois de Dieu, aux directives de Dieu. Il y avait l'ange de Yahweh qui, n'est-ce pas, marchait au-devant d'elle. L'image de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, les similitudes entre l'église de Jésus-Christ aujourd'hui et la véritable église, j'entends par là, et la première église, c'est-à-dire l'assemblée des Hébreux dans le désert de Sinaï. C'est quand même impressionnant.
Cette église était, je vous disais qu'elle a expérimenté la Pâque, la première fête. Elle a expérimenté la fête des prémices, la résurrection. Elle a expérimenté la fête de la Pentecôte, la puissance de l'Esprit de Dieu. La fête de la Torah. Elle avait expérimenté la fête, mes amis, de Yom Kippour, le grand pardon, le sacrifice, la propitiation. Elle avait expérimenté également la fête des trompettes, n'est-ce pas? Et le rassemblement à chaque fois. Elle avait expérimenté la fête des tabernacles, la puissance royale, le royaume de Dieu. Voilà la première église. Et regardez bien cette église, mes amis, elle avait une vision. Sa vision n'était pas de rester dans le désert, pas du tout, parce qu'elle était étrangère et voyageuse. Elle était, n'est-ce pas, composée d'étrangers et de voyageurs. Il y avait une vision, c'était le Canaan. Et tant qu'il n'avait pas atteint le Canaan, cette église ne devait pas rester, mes amis, indéfiniment quelque part. C'était des stations, de lieu en lieu, de gloire en gloire. Et tout au long de sa marche, de sa traversée du désert, cette église remportait, n'est-ce pas, livrait des combats, des batailles. Et Dieu dira dans Deutéronome chapitre 8, que pendant 40 ans, Dieu, n'est-ce pas, a fait errer ce peuple pour pouvoir découvrir, pour révéler l'état de leur cœur. Donc cela équivaut à la marche chrétienne, n'est-ce pas, au travers de laquelle Dieu expose nos vies, Dieu, n'est-ce pas, révèle les choses cachées en nous pour nous sanctifier jusqu'à l'enlèvement. Voyez, c'est quand même impressionnant. L'église de Moïse était un type de l'église de Christ. Et cette église a rencontré des faux prophètes comme Balaam qui voulait la maudire, comme le roi Barak qui ne voulait pas que cette église traverse son territoire. Vous voyez, mes amis? Et cette église était composée de prêtres et des prophètes. Elle louait Dieu comme avec Myriam, la sœur de Moïse, avec son tambourin. Il y avait des adorateurs, tout le monde était adorateur. Hein, lorsque Myriam chantait comme ça dans le désert. C'était magnifique. Regardez les chants qu'ils ont reçus. C'était prophétique, les chants, les cantiques de Moïse, notamment. Et ça, cette église-là, quand Yeshua est venu, mes amis, il n'a pas, n'est-ce pas, il ne s'est pas écarté de la vision de cette église, bien sûr. Il était dans la continuité comme un bon hébreu. Il dira dans Matthieu 16, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, à Pierre notamment, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. » Et là, dans les évangiles, pour la première fois, il est question de l'église de Yeshua, n'est-ce pas? Et c'est dans ce passage-là, Matthieu 16, 18. Le Seigneur a dit clairement qu'il allait bâtir son église. Vous voyez? Et il a bâti cette église, justement, avec 120 Galiléens qui étaient tous juifs, hommes et femmes. Et ça, c'est magnifique. Et Étienne nous dit ici que la première église, bien sûr, elle était mosaïque. Donc l'église n'était pas une notion étrangère pour les juifs, parce qu'ils la connaissaient déjà, parce qu'ils avaient déjà expérimenté la première église. Et cette première église a rencontré des faux prophètes. Elle a rencontré Balaam, faux prophète. Elle a rencontré des fausses doctrines. Cette première église, elle a rencontré aussi la première fausse église, l'église de Corée, l'église d'Abiram, n'est-ce pas ? L'église, cette église-là qui s'était dressée contre la véritable église. Voilà. Et c'est terrible, mes amis. Les deux églises ou les deux assemblées. Alors, et la parole, mes amis, est puissante. Et regardez ce que la parole nous dit, justement, dans. Nous sommes dans la première église, hein, donc l'église véritable, l'église de Yeshua. Cette église-là, elle est, comme vous le savez, composée essentiellement de pierres vivantes. Elle n'est pas, bien sûr, dénominationnelle. Elle n'est pas du tout, mes amis, elle est d'abord apostolique, c'est-à-dire elle a une vision globale. La vision apostolique de l'Église, c'est une vision globale, une vision corporative, la vision du corps. C'est-à-dire, elle n'est pas limitée par les langues, elle n'est pas limitée par les traditions, les coutumes, les ethnies. Comme Paul le disait si bien dans Galates 3, au verset 28, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Et cette église, bien sûr, elle a une vision globale, une vision, n'est-ce pas, du corps, selon 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Et elle n'est pas du tout ethnique,
Elle n'est pas du tout essentiellement française, elle n'est pas essentiellement arabe, elle est multi, n'est-ce pas, race. Et donc, ceux et celles qui font partie de cette église-là, l'église véritable de Yeshua, ne peuvent en aucun cas accepter qu'il y ait que des gens de leur couleur, de leur race, de leur ethnie dans leur assemblée locale. N'est-ce pas? Parce que le Seigneur n'est pas dans tout ça. Le Seigneur est, n'est-ce pas, au-dessus de toutes ces considérations. Voilà, donc considérations raciales notamment. Et mes amis, cette église-là, comme le Seigneur l'a si bien dit dans Éphésiens 2, Paul dit qu'il a, n'est-ce pas, brisé, il a effacé, il a annulé, n'est-ce pas, l'inimitié. Il a aboli l'inimitié, n'est-ce pas, qu'il y avait entre les Juifs et les Grecs. Vous vous rendez compte? L'église véritable est le seul organisme que Dieu a créé, n'est-ce pas, dans lequel il y a cette puissance, celle de la résurrection, qui est capable de briser toutes les différences, n'est-ce pas, socioculturelles, linguistiques. Et cette église-là est composée justement des pierres, pierres vivantes que nous sommes. Et ces pierres-là que nous sommes ont reçu le caractère de Christ au point où elles ne s'arrêtent pas sur, n'est-ce pas, les origines des uns et des autres. Et ça, c'est terrible. Alors que nous sommes dans un monde où les considérations raciales, ethniques, linguistiques sont telles que, eh ben, il y a des divisions, il y a des guerres. Alors que cette église véritable, celle de Yeshua, elle est au-dessus, bien sûr, de toutes ces choses. Et ça, c'est magnifique. Elle est composée, bien sûr, d'hommes et femmes qui ont reçu des dons divers de la part du Seigneur. Et ces hommes et ces femmes sont dirigés par le Saint-Esprit, comme le Seigneur l'a dit dans Jean 16. Jean 14, Jean 15, Jean 16, il disait que l'esprit de vérité, donc le consolateur ou encore le défenseur, n'est-ce pas, allait la conduire dans toute la vérité. Cette église-là, elle n'est pas conduite par les hommes, elle est conduite par le Saint-Esprit. Elle est conduite par l'Esprit et l'Esprit est celui qui révèle, n'est-ce pas, Jésus-Christ aux hommes. Donc cette église-là, bien sûr, confesse sans cesse le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle aime la parole, elle aime la vérité, elle n'obéit pas, n'est-ce pas, aux ordres des hommes, aux rudiments de ce monde, elle ne suit pas les traditions d'hommes, mais elle obéit essentiellement à Yeshua. Et laissez-moi vous dire que cette église-là, l'église véritable, elle n'est connue que du Seigneur notre Dieu seul. Voilà. Et le Seigneur l'a si bien dit à Pierre. Et moi, Jésus, je te dis que tu es Pierre, Pétros en grec, et que sur ce roc, Petra, je bâtirai mon église. Donc, aucun homme ne peut bâtir cette église-là. Aucun homme ne peut prétendre que cette église-là est la sienne. Le Seigneur a dit, c'est mon église. Et dans Jean 10, il a dit, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Donc, cette église-là ne reconnaît pas d'autre berger que Jésus-Christ de Nazareth. Cette église-là, mes amis, même si on veut, lui demander de suivre les hommes, même si cette église-là, on commence à juger, à condamner, à décrier injustement ses membres, cette église-là ne va pas s'arrêter sur les critiques. Elle va plutôt regarder aux fruits. Elle va plutôt écouter l'Esprit de Dieu qui témoigne sur les uns et les autres. Elle va plutôt écouter le témoignage de Dieu plutôt que le témoignage des hommes. Voilà, cette église-là, mes amis, dont certains d'entre vous ce soir font partie, même si vous n'avez pas d'église locale, laissez-moi vous dire, si vous avez confessé Jésus-Christ, si vous avez reçu Christ dans votre vie, si le Seigneur vous a attiré à lui, n'est-ce pas, si vous marchez selon sa volonté, eh bien vous êtes membre de cette église-là, n'est-ce pas, avant toute chose. Et elle est elle-même membre du royaume de Dieu. Cette église universelle, cette église qui est le corps de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, le corps de Christ. Et elle est, n'est-ce pas, elle fait partie, n'est-ce pas, du corps de Christ. Elle est membre du corps de Christ. Et ses membres ont reçu chacun le baptême du Saint-Esprit. Comme Paul le dit bien dans 1 Corinthiens 12, 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc c'est le corps de Yeshua. Et Paul, le Seigneur disait dans Matthieu 16, 18, qu'il allait bâtir cette église et que les portes de l'enfer ne pouvaient, n'est-ce pas, ne peuvent la détruire. Bien évidemment, personne ne peut détruire les membres, n'est-ce pas, les hommes et les femmes qui font partie de ce corps-là. Nous sommes dans Hébreux chapitre 12. Hébreux
chapitre 12, nous lisons à partir du verset 18. Hébreux 12, verset 18, il est dit: vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher avec la main, ni du feu brûlant, ni de la nuée épaisse, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du son des paroles, au sujet duquel ceux qui l'entendirent prièrent que la parole ne leur soit plus adressée. Car ils ne pouvaient pas supporter ce qui était ordonné, que si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou percée d'un dard. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion. Ok, donc on apprend ici que la première église, la vraie église, celle que Yeshua a bâtie, elle n'est pas terrestre. Elle est céleste. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion. Mm-hmm. Voilà. La montagne de Sion. Donc ça, c'est la première, la véritable église. Hein. On continue. De la cité du Dieu vivant. De la cité du Dieu vivant. Donc ça, c'est toujours la véritable église. La Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste est aussi l'église véritable, parce que la parole nous dit dans Apocalypse 21 hein, que c'est l'épouse de Jésus-Christ. Or, le Seigneur Jésus-Christ qui est contre la polygamie ne peut pas avoir deux épouses. Donc l'église véritable est la nouvelle Jérusalem. D'accord ? C'est la même entité. Donc ça peut vous choquer, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Donc voyez, la nouvelle Jérusalem, c'est la cité de Dieu, une cité bâtie avec des pierres précieuses, avec des pierres précieuses que nous sommes. Voyez ? Donc c'est quand même impressionnant. Donc, nous sommes une cité, la cité sainte. Et Pierre le dit. Et vous-même, hein, donc et vous êtes une race élue, une nation sainte. Donc vous voyez bien que l'église véritable est une nation, Herman. Donc la nation sainte en question, eh bien, c'est la cité céleste, la cité, la nouvelle Jérusalem. Donc nous sommes une nation. L'église est une nation et toute nation a un gouvernement. Donc nous fonctionnons dans le gouvernement apostolique, dans le gouvernement royal de Yeshua, notre maître. Alléluia, gloire à Dieu, on continue. D'une multitude innombrable d'anges et de l'assemblée et de l'église des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. Donc cette église-là est composée essentiellement de premiers-nés, n'est-ce pas? Les premiers-nés. Et ça, c'est magnifique. Donc, et rappelez-vous seuls les premiers-nés en Israël avaient droit à la double portion. N'est-ce pas? C'est pour cela que Élisée, qui était le premier-né d'Élie, a demandé la double portion. Et Deutéronome disait, Dieu disait, si un homme a deux femmes, et s'il n'aime pas la première, mais ce n'est pas pour autant qu'il doit donner son héritage, hein, n'est-ce pas, aux enfants de la deuxième. C'est son premier-né, c'est-à-dire le premier enfant de la première dame, de la première femme, qui devait avoir la double portion. Donc, voyez, frères et sœurs, donc, en tant que premier-né, nous, chrétiens, nous avons droit à la double portion. Et ça, c'est magnifique. Ça veut dire que tu as reçu une autorité telle que l'enfer ne peut rien contre toi si tu marches selon la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, on continue. Du Dieu qui est le juge de tous et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui prononce de meilleures choses que celui d'Abel. Voilà. Donc, ouais, c'est ça l'église véritable. Je dis bien, cette église n'a pas d'étiquette dénominationnelle. N'allez pas chercher comment elle s'appelle. N'allez pas chercher, demander combien il y a de pasteurs là-dedans. Il y a une seule personne, il y a un seul être qui exerce la fonction pastorale, c'est Yeshua. Il a dit dans Jean 10, il y a un seul troupeau et un seul berger. Ce n'est pas moi qui le dis. Le Seigneur l'a si bien dit. Voilà donc, et je ne vais pas m'étendre beaucoup sur la véritable église parce que vous avez déjà beaucoup d'informations là-dessus. Hein, l'église véritable. Donc je dis bien, vous pouvez ne pas être membre d'une église locale et être membre du corps de Christ. Bien sûr, ce corps-là trouve son expression dans les églises locales où il y a bien le Seigneur, où il y a sa présence. Mais il faut d'abord comprendre que vous devez d'abord être membre de l'église de Jésus-Christ, du corps de Christ, avant de chercher à vous réunir avec des frères et sœurs. Ça, c'est, il faut le savoir. On est premièrement membre du corps de Christ. Et ensuite, on peut être, n'est-ce pas, dans une assemblée locale avec des frères et sœurs pour partager la parole. Voilà. Et vous pouvez aussi être membre d'une église locale, visible, physique, et ne pas être membre du corps de Christ. Voilà. Et dans ce cas-là, vous êtes membre de l'église, de la fausse assemblée.
de l'assemblée paganisée. N'est-ce pas? L'assemblée qui est gérée par l'ennemi. Voilà, mes amis. Donc, on a compris rapidement, hein, donc, la première église, la vraie assemblée, et c'est l'assemblée des justes. Voilà. Et on nous dit que dans cette assemblée-là, mes amis, les méchants ne résistent pas. Voilà. C'est impossible que les méchants résistent dans l'assemblée des justes. Voilà. Donc, qui est d'abord l'église corps du Christ. Et voilà. Et puis, cette assemblée-là, corps du Christ, trouve son expression dans les assemblées visibles. Donc, lorsque les frères et sœurs se retrouvent entre eux pour partager la parole. Voilà. Nous sommes dans Psaume 111, verset 1er. Louez Yahweh, je célébrerai Yahweh de tout mon cœur, dans la compagnie des hommes droits et dans l'assemblée. Voilà. Donc, on ne peut pas célébrer Dieu dans l'assemblée des pécheurs. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que le Seigneur n'a pas adoré Yeshua, homme, n'a pas prié le Père, adoré le Père dans les synagogues, dans le temple. N'est-ce pas? C'était sur les montagnes. Ou avec, n'est-ce pas, avec Pierre, Jacques et Jean. Hein? Donc, maintenant, dans nos assemblées d'aujourd'hui, hein, on loue Dieu avec n'importe quoi, avec n'importe qui, et c'est pour ça que la prière ne monte pas. Louez Yahweh, je célébrerai Yahweh de tout mon cœur dans la compagnie des hommes droits. Dans la compagnie des hommes droits. Ben oui, c'est ça la véritable église logique. C'est pour ça que vous ne pouvez pas adorer le Seigneur dans les églises paganisées. C'est, on n'arrive pas. On a du mal, c'est normal, parce que ne vous sentez pas condamné. C'est impossible si vous avez l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Il faut les hommes droits. C'est ça la première assemblée, l'assemblée des hommes droits, l'assemblée des justes, des personnes justifiées, bien sûr, n'est-ce pas, par le sang de l'agneau. Voilà, mes amis, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Voilà, donc... béni est l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. Voilà, donc vous avez compris la première assemblée. Maintenant on voit la deuxième assemblée, et hein, c'est l'assemblée des moqueurs, bien sûr. L'assemblée des moqueurs, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Acte chapitre 19, et rappelez-vous bien que la première assemblée qui a commencé, la première église, hein, l'église de Yeshua, a un arrière-plan, hein, mosaïque, c'est-à-dire l'assemblée des enfants d'Israël dans le désert. Et plusieurs termes hébreux étaient utilisés pour parler de cette assemblée justement dans le désert, et l'un de ces thèmes-là parlait de la convocation solennelle. Donc vous voyez, donc les gens étaient convoqués. C'est ça l'assemblée, être convoqué, ecclésia en grec notamment, c'est appelé hors d'eux. Donc, vous ne pouvez pas être membre de l'église de Jésus-Christ si vous n'avez pas reçu au préalable son appel dans votre cœur. Ce n'est pas un appel humain. Ce n'est pas Chora ou un pasteur ou un prédicateur qui vous appelle. C'est Dieu qui appelle vos esprits directement. Dieu est esprit et il parle aux esprits des hommes. Voilà. Donc, et cette assemblée est composée de personnes qui sont nées de l'esprit. Hein, nées d'esprit comme Jean 3 le dit. Ils sont nés d'en haut. Ils font partie de cette assemblée parce que Dieu les a régénérés. Et ce ne sont pas les hommes, mais c'est Dieu lui-même. Et ils portent le sceau de Dieu. Voilà. Donc, à chaque fois que vous avez le mot « assemblée solennelle », et tout ça, là, c'est vraiment la convocation. Et souvent, cette convocation avait lieu hein, par des trompettes. Voyez, et le peuple entendait le son des trompettes et venait s'assembler autour de Moïse, autour du tabernacle où il y avait la gloire de Dieu. Alors, dans la deuxième assemblée, qui est la fausse assemblée, on a aussi des termes qui sont utilisés hein, pour justement la définir. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Je demanderai à l'équipe technique d'augmenter le son du retour, si c'est possible. Parce qu'on entend très très mal. Allô? Oui, alors est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Un tout petit peu, ouais. Oui.
Non, je ne sais pas ce que je dis. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que c'est très bien de poser la question, ma sœur. Ce que je veux dire, c'est qu'avant d'être, n'est-ce pas, avant de chercher les églises locales, les assemblées locales, c'est-à-dire se réunir avec des frères et sœurs, il faut d'abord s'assurer qu'on est membre du royaume de Dieu. Il faut d'abord s'assurer qu'on est membre de l'église de Christ. D'accord? Parce que ça, c'est ça la chose la plus importante. Il faut d'abord être membre du corps de Christ. Ensuite, ce corps-là trouve aussi son expression sur le plan physique dans les assemblées locales où Christ est véritablement glorifié. Maintenant, il y a des chrétiens qui se trouvent dans des pays, dans des endroits, dans des villes où il n'y a pas d'autres chrétiens, alors que ces chrétiens qui se trouvent dans cette situation sont véritablement convertis. Ils ne doivent pas culpabiliser s'ils n'ont pas trouvé tout de suite une assemblée locale. D'accord? Voilà. Eh bien, continuez si vous êtes deux ou trois, ma sœur. Amen. Vous n'avez pas à vous culpabiliser parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 18 à 20, car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis là. Donc si vous êtes deux ou trois, gloire à Dieu, continuez comme ça, c'est déjà une assemblée, le Seigneur est là. Ben, le Seigneur en son temps pourra vous mettre en relation avec d'autres chrétiens, mais si ce n'est pas le cas pour l'instant, continuez à prier continuez à prier ensemble. Si vous êtes deux ou trois, quatre, continuez à prier dans ce sens. Oui. Continuez à partager la parole. Oui. Amen. D'accord. Voilà. On a besoin de la communion fraternelle, c'est biblique, n'est-ce pas? Parce que la parole nous demande de prier les uns pour les autres, de nous exhorter mutuellement. Mais ne vous sentez pas condamné si vous n'êtes pas dans une grande assemblée où il y a toute une organisation, chorale, toutes ces choses-là comme on nous l'a fait croire hier. Ok, gloire à Dieu. Donc on va parler de la deuxième église maintenant, n'est-ce pas? La fausse église, la fausse assemblée. Parce que s'il y a la vraie monnaie, il y a aussi la mauvaise monnaie. Hein, fausse monnaie, pardon. Donc, s'il y a des vrais miracles, il y a aussi des faux miracles. Donc, on peut pas tout dire, comme beaucoup le font, rejeter tous les miracles parce qu'ils estiment que, il y a que des faux miracles, parce qu'ils estiment que dans l'hindouisme, il y a de faux miracles. Mais attendez, Satan essaye d'imiter Dieu, mais il n'arrive pas. Il singe Dieu, mais il n'arrive pas. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, tout, rejeter parce que Satan fait des faux miracles. Ça, c'est aussi de l'immaturité ou de la jalousie, tout simplement. Voilà. Donc, tout comme ceux qui disent que, enfin bref, que Dieu soit béni. Je pense qu'il y en a, ils ne méritent même pas qu'on cite leur nom ici, qu'on cite même leurs œuvres ici, parce que ce serait trop leur donner de l'importance. Voilà. Alors, parlons de la fausse église maintenant, la deuxième assemblée. Nous sommes dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Nous lisons le verset 32, Loïc. D'une autre, car l'assemblée était confuse et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient assemblés. On peut continuer. Alors Alexandre fut contraint de sortir hors de la foule, les juifs le poussant en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, voulait présenter quelques excuses au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant 2 heures: grande est la Diane des Éphésiens. Cependant, le secrétaire de la ville, ayant apaisé la foule, dit: homme éphésien, quel est celui des hommes qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne de la grande déesse Diane et de son image tombée de Jupiter? Cela donc incontestable, vous devez vous apaiser, ne rien faire avec précipitation. Car ces gens que vous avez amenés ne sont ni sacrilèges ni blasphémateurs de votre déesse. Mais si Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez quelques autres choses à réclamer, on pourra en décider dans une assemblée légale. Car nous risquons d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, n'ayant aucune raison pour justifier ce rassemblement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Vous voyez ici, à partir du verset 32, à trois reprises, il y a le mot assemblée, hein, qui, n'est-ce pas, revient.
Alors, c'est le même terme grec, ecclésia, que le Seigneur a utilisé dans Matthieu 16, 18, pour parler de son église à lui. Mais par contre, ici, n'est-ce pas, ce terme-là, ecclésia, a été utilisé pour parler d'un tribunal. Vous vous rendez compte? Pour parler d'un tribunal et qui était composé essentiellement d'inconvertis, n'est-ce pas? Des personnes qui ne confessaient pas Christ. Mais pourtant, on appelle ce rassemblement l'Église. Et ça, c'est terrible. Donc, et cette Église-là, bien sûr, n'avait pas la mission, n'avait pas la vision d'adorer le Seigneur. Pourtant, on l'appelle aussi assemblée ou l'Église. Donc, c'est pour cela que nous disons qu'il y a deux assemblées. Il y a l'assemblée du Seigneur Jésus-Christ. Cette assemblée-là se réunit, n'est-ce pas, autour de la parole de Dieu. Le Seigneur l'a dit, là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, et son nom est la parole de Dieu. Donc cette église a profondément la parole. Elle aime la parole, elle partage la parole, elle est attachée au fondement, au directeur, au fondement, comment dire, au principe biblique, n'est-ce pas, l'amour, la paix, la joie, tout ça, la sanctification, la sainteté, la crainte de Dieu, tout ça. Et la deuxième église, qui est la fausse église, elle est essentiellement humaine, n'est-ce pas, elle est bien sûr poussé, dirigé par les démons. Et si vous allez plus loin, Loïc, et hein, n'est-ce pas, dans le contexte, hein, ici, il est question de Démétrius, qui, n'est-ce pas, avait beaucoup d'ouvriers qui construisaient, n'est-ce pas, des temples et des effigies, hein, des statues de Diane. Donc on voit bien qu'il y a un arrière-plan spirituel démoniaque. C'est-à-dire, il y avait aussi une vision de marketing, le marché. Donc c'est terrible, hein. Donc là, quand on creuse un peu, on se rend compte que, en fait, la deuxième église a pour motivation l'argent, le commerce. Et ça nous renvoie à Ézéchiel 28, le premier commerçant qui a commercé avec les dons que Dieu lui a donnés, la sagesse que Dieu lui avait donnée, c'est-à-dire Lucifer, qui avait transformé le premier temple, le temple céleste, en un sanctuaire de commerce. Et ça, c'est terrible. Hein? Donc, vous voyez bien que derrière la deuxième église, la fausse église, il y a Lucifer. Et derrière ça, donc, Satan introduit l'idée du commerce dans cette église-là. Donc, cette assemblée se rassemblait parce que leur commerce était menacé. C'est terrible. Hein? Et parce qu'il le dit, regardez, Démétrius, verset 23. Verset 23. Mais en ce temps-là, il arriva un grand trouble à cause de la doctrine. Car un certain homme nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait de petits temples d'argent de Diane et apportait beaucoup de profit aux ouvriers du métier. Beaucoup de profit. Vous vous rendez compte? Donc c'est une affaire de sous. Dans la deuxième église qui est la fausse église, c'est une affaire de sous. C'est fort, ça. C'est fort, hein? C'est tout. Et regardez bien, cette église était réunie pourquoi? Pour accuser Paul. Vous voyez, Démétrius représente les faux pasteurs qui se servent de, n'est-ce pas, de la naïveté, hein, la naïveté des gens pour leur vendre des temples de Diane, leur promettant la protection, leur promettant la guérison. Et Diane était leur patronne, c'est un démon, Artémise, n'est-ce pas? Diane, c'est la reine du ciel. Diane, c'est un démon terrible. Diane, c'est le diable qui est derrière. Et c'était le commerce. Et on continue. Verset 25. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô homme, vous savez que tout notre gain vient de cet ouvrage. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul, par ses persuasions, a détourné beaucoup de monde en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. » Voilà. Le message que Paul prêchait dérangeait tellement que Démétrius va être un bâtisseur de l'assemblée qui va attaquer Paul. Et il va les rassembler. Vous voyez ici, là, nous avons une association, n'est-ce pas, des gens qui ont la même vision. C'est Babylone, l'association pastorale, les fédérations, ça, c'est là, là. Les fédérations, les pastorales, tout ça. Vous voyez, ils peuvent ne pas s'aimer entre eux, mais parce que comme ils ont une même vision, l'argent, eh ben, ils vont s'associer contre les, pour attaquer les vrais chrétiens. C'est pour cela que vous allez voir ces pasteurs, ces prédicateurs, ils sont, il y a parmi eux, il y a beaucoup d'impudiques, des voleurs qui ont détourné l'argent des orphelins, hein, l'argent des veuves.
et qui continuent à aller de ici et de télévision en télévision pour faire la promotion de leur ministère. Et se permettent en plus de combattre ceux qui servent Dieu véritablement. Ils sont culottés. C'est comme on dit l'hôpital qui se fout de la charité. Ils ont des dettes qu'ils doivent rembourser. Ils continuent quand même à parler. Ils sont vraiment culottés. Voilà, parce que nous sommes à la fin. Le Seigneur est en train de revenir. C'est des Démétrius modernes. Des voleurs, des marchands, n'est-ce pas? Ils prêchent la prospérité. Ils vont imposer la dîme aux gens. Ils vont s'associer alors qu'ils ne s'aiment pas. C'est comme Hérode et Pilate. C'est une association des voleurs, des malfaiteurs. Ils ne s'aiment pas. Ils ne sont pas unis. C'est ça Babylone. N'est-ce pas? Mais comme ils veulent combattre les vrais enfants de Dieu, comme ils veulent combattre les vrais prophètes, parce que les vrais enfants de Dieu, les vrais prédicateurs, les vrais prophètes, les vrais apôtres, avec leur message, avec l'évangile véritable qu'ils prêchent, qui est essentiellement basé sur Jésus-Christ, eh ben, sur la gratuité, eh ben, ils menacent leurs entreprises. Voilà pourquoi ils vont se rassembler comme Abiram, Dathan, tout ça là, et Corée. Ils vont se rassembler comme Balaam et Barak, comme mes amis Jannès et Jambres, qui s'étaient rassemblés pour attaquer Moïse, les deux magiciens de Pharaon, comme les 850 faux prophètes de Baal et d'Achéra ou Astarté, et Élie s'était retrouvé seul, comme les prophètes, les sacrificateurs, et les prêtres et le peuple qui s'étaient ligués contre mes amis Jérémie en disant tuons-le avec la langue. Eh bien, les mêmes démons travaillent dans l'église de la Laodicée aujourd'hui. Cette église qui est, mes amis, unie selon mes amis les hommes, le syncrétisme, l'œcuménisme, tout ça pour combattre les vrais enfants de Dieu. Laissez-moi vous dire, les vrais enfants de Dieu sont des hommes et des femmes parfois solitaires. Ils ne sont pas dans ces associations-là. Les vrais pasteurs, les vrais apôtres, vous ne le verrez pas dans ces associations-là pastorales. Vous ne le verrez pas, mes amis, sur Facebook, amis avec d'autres apôtres ici et là, pour s'inviter mutuellement, pour se congratuler, pour s'inviter afin de recevoir des enveloppes ici et là. Non, ils sont souvent solitaires et ils servent le Seigneur et ils annoncent le retour du Seigneur et ils annoncent, mes amis, l'amour véritable et ils dénoncent le péché. Ils ne sont pas, mes amis, unis avec Babylone. Non. Et vous allez voir dans la grande assemblée, l'assemblée, mes amis, paganisée, il y a un mélange. Il y a un mélange. Ils ne s'aiment pas. J'ai, pendant des années, fréquenté ce milieu. Ils ne s'aiment pas. Ils se critiquent les uns les autres. Mais par contre, comme ils ont un seul langage, le langage monétaire, alors il y a un semblant d'unité. Vous voyez ? Et regardez sur leur Facebook, regardez comment ils sont habillés en costume et cravate avec leurs femmes. Ce n'est plus l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ils font la promotion de leur propre projet. Ce n'est plus Christ qui est élevé. Ce n'est pas l'évangile qui est mis en exergue. C'est leur photo, Photoshop, c'est leur costume et cravate, c'est leur, mes amis, leur voyage ici et là. Ce n'est plus l'évangile. C'est clair, ça saute aux yeux. Paul dit dans 2 Corinthiens, mes amis, 4, 5, il dit, mes amis, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Hein? 2 Corinthiens 4, c'est Christ le Seigneur que nous prêchons. Et dans 1 Corinthiens 2, il dit, je ne veux rien savoir parmi vous que Christ et Christ est crucifié. Mes amis, 2 Corinthiens 4, 5, Paul dit, car nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur et nous déclarons que nous sommes vos serviteurs pour l'amour de Jésus. Vous voyez? Donc, ces hommes et ces femmes qui font partie de l'église, mes amis, paganisée, de la grande assemblée qui combat les vrais chrétiens, ils prêchent eux-mêmes. Ils font des affiches avec des photos, ils prêchent eux-mêmes. Ils vont partout d'église en église pour voir leurs collaborateurs, mes amis, alors qu'ils ne sont pas unis, pour faire leur propre promotion. C'est tout. C'est la grande assemblée qui combat les élus de Dieu, qui combat ceux et celles qui ont, mes amis, le Saint-Esprit, qui prêchent la vérité, la pure vérité, tout simplement. Vous voyez, mes amis? Et eux, ils s'associent parce que, rappelez-vous bien que Dieu a toujours été le Dieu de reste. Élie se croyait seul. Dieu dit, j'ai réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ces 7000 personnes ne le voyaient même pas caché. Les vrais enfants de Dieu sont souvent cachés. Vous voyez, frères et sœurs? C'est des solitaires. Jérémie disait, je me suis tenu solitaire à cause de toi. Ésaïe était un homme seul, mes amis. Et la parole de Dieu dans Hébreu 11, c'était des hommes et des femmes dont le monde n'était pas digne. Ils n'étaient pas acclamés. Ces vrais prophètes de Dieu étaient constamment persécutés, constamment critiqués. Il y avait, mes amis, beaucoup de propos qui étaient tenus à leur encontre, contre eux.
Paul disait, n'est-ce pas, nous sommes au milieu d'une bonne et d'une mauvaise réputation, au milieu de la gloire et de l'ignominie. Les vrais enfants de Dieu sont tout le temps condamnés, sont tout le temps critiqués. Les faux sont adulés. Le Seigneur a dit dans Matthieu 10, si on m'a haï, on vous aimera. On vous haïra. Et si on m'a aimé, on vous aimera. Mais comme on m'a haï, vous serez haï. Il a dit, vous serez haï de tous à cause de mon nom. Il a dit clairement, le monde va vous rejeter à cause de moi. Les vrais enfants de Dieu, la vraie église, elle est persécutée parce que Pierre dit, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Notre patrie est céleste. Nous n'avons pas de cité ici-bas, nous dit mes amis Hébreux 13, je crois, 14. La parole est claire, frères et sœurs, nous ne sommes pas d'ici-bas. C'est pour cela que nous serons de plus en plus persécutés. La vraie église sera de plus en plus rejetée. Paul était emprisonné, Pierre était emprisonné. Vous voyez, les vrais prophètes ont toujours été emprisonnés, ont toujours été rejetés. Parce qu'ils prêchent un royaume qui n'est pas un royaume terrestre. Ils ont un langage qui n'est pas de ce monde. Vous voyez, frères et sœurs. Alors les faux, ils sont dans une grande assemblée, ils sont adulés, ils sont associés, ils font leur séminaire, étant associés avec plusieurs autres, un mélange comme pas possible. Vous voyez, et ça prêche la masturbation. Ils sont avec ceux qui encouragent la masturbation, mais ils mettent cela de côté, leur division, parce qu'ils disent « unissons-nous ». Vous voyez ? Alors qu'ils sont mélangés avec ceux qui prêchent la masturbation, ceux qui prêchent le syncrétisme, ceux qui prêchent les idoles, ceux qui sont écuméniques. C'est un mélange comme pas possible. Voilà. Vous avez les yeux, vous voyez vous-même. Jésus-Christ a été traité de Belzébul. Donc ce n'est pas étonnant que les vrais chrétiens soient traités de sorciers. C'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant qu'ils soient traités de gourous. Ce n'est pas étonnant qu'ils soient traités de tous les noms. Les miracles que le Seigneur opérait, on disait que c'est des miracles de mensongers. Par Belzébul. Donc ce n'est pas étonnant, mes amis. C'est biblique toutes ces choses-là. Voyez, n'attendez pas ce que les gens vous acclament. Moi, je ne m'attends plus à cela. C'est fini, ça. Il fut un temps où je voulais la reconnaissance des hommes. Mais maintenant, j'ai compris, frères et sœurs, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. On a compris que la vraie Église est recommandée par le Seigneur, comme Pierre a été recommandé par le Seigneur à Corneille. Voyez. Donc, c'est fini cette église-là. Paul a beaucoup souffert pour la vérité. Donc, voilà, la fausse église, elle est là. Elle est émergente. C'est une église, mes amis, complètement unie sur le plan humain, n'est-ce pas? Les gens mettent de côté leurs différences, alors que c'est des différences parfois, mes amis, capitales, vitales, telles que la sanctification, telles que la crainte de Dieu. Ils vont mettre cela de côté, ils vont s'associer avec les impies ici et là. Ils vont courir après, ils parlent beaucoup des connexions avec les Américains, avec les Africains, avec les Européens, avec les Asiatiques. Ils sont plus dans les connexions entre eux que la véritable connexion avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus-Christ, notre Père. Voyez mes amis, et Démétrius ici était, mes amis, en colère parce que son entreprise était menacée. Et il dit, hein, il le dit lui-même, nous allons prendre la personne qui est en ligne dans quelques minutes, quelques secondes, ne vous inquiétez pas. Regardez ce que Démétrius dit. Mes amis, hein, au verset 27. Et il n'y a pas seulement à craindre pour nous que notre métier ne soit décrié, mais même que le temple de la grande Diane tombe dans le mépris et que sa majesté, que toute l'Asie et que le monde entier révère ne soit anéanti. Vous voyez, donc il est question du profit. Leur profit était menacé, leur entreprise était menacée. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer une assemblée, toute une assemblée pour combattre Paul. Et ça, c'est terrible. C'est pour cela, mes amis, les pires ennemis deviennent les meilleurs amis parce qu'ils veulent détruire les vrais chrétiens. Vous voyez? Et c'est terrible, cette association avec des faux. Ils se mélangent entre eux. Ils se soudent entre eux. Ils sont connectés les uns aux autres. Mais ils ne s'aiment pas. On le sait, ils ne s'aiment pas. Vous voyez? Et ça, c'est la grande assemblée. C'est l'assemblée paganisée. C'est l'assemblée mélangée. En fait, c'est Genèse 11. Comme ils avaient tous le même langage, nous dit la parole, eh bien, ils se sont dit, unissons-nous, formons une, n'est-ce pas, bâtissons une ville et une tour dont le sommet toucherait au ciel. Et ils ont construit la Babylone. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, la fausse église, elle prêche un message centré sur l'argent, centré sur la terre, centré sur les biens de ce monde, centré, focalisé sur, mes amis, l'homme de Dieu, centré sur les biens matériels. Alors que la vraie église, elle parle de l'enlèvement de l'église, elle parle du retour de Jésus-Christ, elle parle de la sanctification, elle parle de l'amour véritable. Aimer son prochain, prier pour ceux qui nous persécutent, bénissez ceux qui nous maudissent. La véritable église. Regardez ce que la parole nous dit dans Genèse 49, verset 6. Genèse 49, verset 6.
La Bible dit, et on peut commencer à partir du verset 5, ça c'est Jacob qui parle. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence dans leur demeure. Que mon âme n'entre pas dans leur conseil secret, que ma gloire ne soit point jointe à leur compagnie, car ils ont tué les gens dans leur colère et ont enlevé les bœufs pour leur plaisir. Donc, que mon âme n'entre pas dans leur conseil secret, c'est-à-dire leur assemblée. Et là, ici, nous avons un terme hébreu, sod, qui veut dire conseil, assemblée, n'est-ce pas? Et le mot, mes amis, compagnie, ici, signifie aussi congrégation. Voyez, Jacob a refusé de faire partie de la congrégation de ses propres enfants dans la chair. Il n'a pas voulu être dans les sentiments. Donc, frères et sœurs, n'entrons pas dans les sentiments. Pendant des années, j'ai fait les sentiments. Dieu m'a dit, si tu continues, je t'enlève. Oh, enfant de la foi, oh, c'est fini tout ça, frères et sœurs. Oh, collaborateurs proches, si tu n'es pas dans la sanctification, on t'avertit, si tu refuses, eh bien, on se sépare et on continue notre marche. Parce qu'il est question de l'éternité, frères et sœurs. On ne peut pas, mes amis, se compromettre là-dessus. Il n'y a pas de compromission. Jacob nous a donné un exemple. Il dit que mon âme, l'âme, pourquoi l'âme? Parce que l'âme est le siège des émotions, des sentiments, tout ça là. Et Jacob a refusé de faire partie de l'assemblée, mes amis, paganisée de ses propres enfants. Il faut refuser la collaboration avec les impies. Quand on voit ce qui se passe ici et là, des gens qui se critiquent entre eux, qui se condamnent, qui se traitent de sorciers, mais parce qu'ils veulent combattre les vrais chrétiens, ils s'associent. Des voleurs, des hommes qui vont coucher avec des femmes, qui vont les engrosser, n'est-ce pas, dans les églises, laissant ses enfants sans père, et qui même vont copier même nos sites internet pour avoir des dons derrière. Et quand on les avertit, quand on les dénonce parce qu'on ne veut pas collaborer avec eux, ils sont en colère, et bien ils s'associent avec les impies, avec les voleurs, avec les gens qui veulent s'accaparer des âmes, qui veulent détourner les âmes, qui veulent se faire de l'argent, qui veulent vous imposer la dîme, vous imposer la vente de CD, de concerts payants, des objets, tout ça, de l'huile, des huiles qui viennent d'Israël. Ils sont, vous voyez, la grande assemblée, ça monte dans le monde, hein, ça monte. Et les vrais chrétiens, ils sont comme Élie, seuls, solitaires, chez eux. Et ils ont compris qu'il faut qu'ils suivent plus le Seigneur que les hommes. Vous voyez? Des hommes, on en a connu, qui viennent même au programme de réveil ici, qui viennent à nos différents programmes et qui veulent tout simplement, mes amis, prendre ce qu'ils ont à prendre pour aller commencer leurs entreprises. Mais on ne va pas se taire. Et là, ça ne plaît pas. Et ils deviennent des associés d'autres impies. Parce que quand Dieu n'est pas avec quelqu'un, eh bien, la personne va chercher l'appui des hommes. Voyez? Mais ceux qui sont solitaires avec Dieu, ceux qui sont avec le Seigneur, ils n'ont pas peur de la solitude. David disait, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que Yahweh est avec moi. Son bâton et sa houlette me rassurent, disait-il. Voyez? Et donc c'est ça la véritable richesse. Marcher avec Dieu, mes amis, implique forcément la solitude. Enoch n'a pas marché avec la foule, il a marché avec Dieu. Noé a marché avec Dieu, seul avec Dieu, avec sa famille. Voyez? Et Lot a marché seul avec Dieu, avec ses deux filles. Voyez, frères et sœurs, à chaque fois que Dieu appelait un homme ou une femme, la personne était un homme ou une femme, une personne solitaire. Et ça a toujours été comme ça. Et en ce temps de la fin, les vrais chrétiens connaîtront de plus en plus la solitude par rapport aux hommes, et les faux chrétiens seront de plus en plus unis, parce que c'est la grande assemblée qui doit être visible. L'église paganisée, cette femme d'Apocalypse 17 qui est assise sur les grandes eaux et qui est adorée par le monde entier, eh bien, c'est exactement ce qui se passe, c'est Babylone. C'est pour ça que Dieu dit, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Voyez, vérifiez, Michée, le prophète, était seul contre 400 prophètes de Baal dans 1 roi 22. Et ceux qui sont allés le prendre pour qu'il le cherchait, ils lui ont dit, voici les prophètes d'une seule bouche, prophétise du bien au roi. Que ta bouche soit semblable à leur bouche. Eh bien, Michée a dit, non, je vous dirai ce que Dieu m'a dit. Voyez, à chaque fois, vérifiez dans vos Bibles, aucun prophète authentique n'était au milieu, mes amis, de la foule d'autres prophètes. C'était des hommes et des femmes solitaires. Des hommes et des femmes comme Samuel, il était loin à Rama, mes amis. C'est ça la vision véritable. Paul disait, tous ceux qui sont anasi m'ont abandonné. Voyez? Donc n'attendez pas ce que les gens vous acclament. Si vous aimez la vérité, préparez-vous à être seul.
Préparez-vous à aller de l'avant. Et juste un conseil que je donne aux frères et sœurs, parce que les temps sont compliqués. Si vous voyez un site internet, si vous voyez un prédicateur qui passe sa vie, qui passe 2 heures, 3 heures, 4 heures en parlant seulement des autres, en les dénonçant, quittez-le. Quittez ce site, quittez ce monsieur, il n'est pas avec Dieu. Parce que la parole dit, le Seigneur a dit dans Jean 14, quand l'Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, il me glorifiera. Là où il y a le Saint-Esprit, c'est la parole qui est plus élevée, c'est plus l'enseignement qui est élevé, c'est plus le Seigneur qui est glorifié que, mes amis, que les hommes. Donc, passez son temps. Passer tout le temps de son service, de son ministère, en parlant des autres, des uns des autres, ce n'est pas ça le ministère qui vient de Dieu. C'est complètement charnel, ça devient charnel. Ça devient de la distraction. Vous vous remplissez de ces choses-là, ça devient de l'eau de chichor, de l'eau sale qui vous pollue. On a besoin de Jésus-Christ. Parlez-nous de Jésus-Christ. Dénoncez le mal, c'est biblique, mais parler de ça pendant 3, 4, 5 heures, vous ne voyez pas que vous, le temps, on a très peu de temps par rapport au retour du Seigneur, ça c'est de la distraction. Honnêtement, mes amis, chrétiens véritables, il n'y a plus le temps pour ces choses-là. La dénonciation est biblique, mais il faut enseigner, il faut qu'on vous amène à l'évangile, qu'on vous parle de Yeshua, qu'on vous parle du ciel, qu'on vous parle des choses, comment les clés du royaume pour pouvoir avancer dans ces temps de la fin. Voilà, mes amis, donc on a voulu faire juste une courte émission, hein, ça fait déjà plus d'une heure, hein, donc à peu près, pour vous montrer qu'il y a deux assemblées, l'église véritable, celle du Seigneur, et lui seul est notre berger, Jésus-Christ seul est notre apôtre par excellence, notre prophète par excellence, le chemin, la vérité, la vie, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui seul que vous devez écouter et suivre. N'est-ce pas? Et cette église-là, elle est, n'est-ce pas? Elle n'est pas dénominationnelle. Elle est, mes amis, elle est spirituelle. Elle trouve son expression dans les assemblées locales où Christ est véritablement élevé. N'est-ce pas? Et ces chrétiens qui font partie de ce corps du Christ, ont aussi leurs défauts. Mais ils, n'est-ce pas, tendent vers la perfection en priant, en adorant Dieu, en méditant la parole du Seigneur. Elle n'est pas dénominationnelle, elle n'est pas ethnique, elle n'est pas noire, totalement blanche. Elle est multi-race. Et ces multi-races ne forment qu'une seule race, la race élue de 1 Pierre 2,9. Et nous avons, cette église-là, mes amis, est libérée du péché. Cette église-là adore le Seigneur en esprit, en vérité. Cette église-là est dirigée par le Saint-Esprit, comme les enfants d'Israël dans le désert. Et la deuxième église, qui est la fausse église, elle est dirigée par les hommes. Elle est inspirée par le diable. Elle est essentiellement bâtie sur l'argent, sur le profit, sur la vente des CD, la vente de séminaires, la vente de la formation biblique. Elle est bâtie sur la musique du monde, sur le rap, sur le rock, sur les vêtements, mes amis, qui montrent le corps des hommes. Elle est bâtie sur l'homme avec l'évangile totalement humain où l'homme est glorifié. Et elle est remplie, mes amis, c'est l'œcuménisme, c'est le syncrétisme. Ils ne sont pas unis, ces prédicateurs, mais comme ils ont un seul projet, une seule vision, c'est faire de l'argent, eh ben, ils travaillent ensemble. Et comme Hérode et Pilate, eh ben, comme Psaume chapitre 2 le dit, ils se liguent contre les vrais enfants de Dieu. Voilà, et je disais tout à l'heure, ne suivez plus les gens qui passent 4 heures, 5 heures, 6 heures pour parler des uns et des autres ici et là. Ils sont en train de vous distraire. Je tenais vraiment à vous le dire, frères et sœurs. Ils sont en train de vous distraire. Le Seigneur est en train de revenir. Nous avons besoin des gens, des frères et sœurs qui nous parlent de Jésus-Christ de Nazareth. N'est-ce pas? Qui dénoncent le péché, oui. Mais qui nous enseigne. Parce que c'est ce que Paul dit. Je ne veux savoir rien d'autre parmi vous que Christ crucifié. Parce que comment voulez-vous que les gens soient éclairés? Ce n'est pas en passant 4 heures, 5 heures en parlant des uns des autres. Non. Et Paul dit également, vous parlez des choses les choses de ce monde. Pour ceux qui sont du monde, Dieu va les s'en occuper. Ôtez le méchant du milieu de vous, Paul le disait. Donc ceux qui passent du temps à aller parler des choses du monde, à gauche, les musiciens du monde, on sait qu'ils sont dans le monde, on sait qu'ils sont païens. De temps à autre, informer les gens sur certaines choses, il n'y a pas de problème. Mais de là à amener les chrétiens à se focaliser là-dessus, mais vous ne le voyez pas que mes amis, il y a un problème. Hébreux 12 nous dit, nous devons avoir les regards fixés sur Jésus-Christ. Voyez? Il y a beaucoup de distractions. Internet est devenu un terrain de distraction pour des millions de chrétiens. Chrétiens, préparons-nous pour le retour du Seigneur. C'est Jésus-Christ seul qui doit être notre, mes amis, motivation. L'enseignement doit être basé sur lui et sur lui seul.
Satan a envoyé beaucoup de ses agents qui sont en train de vous distraire totalement, complètement. Et nous voulons vraiment tirer la sonnette d'alarme pour que vous sachiez que les temps sont compliqués, sont difficiles. On va prendre la dernière personne en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ok, c'est simple. Le Seigneur dit dans Matthieu 7, à partir du verset 15, il dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, une personne qui... est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber amoureuse? Je suis tombée amoureuse du Christ. Je suis tombée amoureuse. Voilà, c'est ça en fait. Donc, quelqu'un qui est en Christ, quelqu'un qui fait partie du corps de Christ, c'est une personne qui a vécu la conversion véritable. Qui s'est converti, qui a renoncé à ce péché et qui a subi une transformation, une régénération selon, par l'Esprit de Dieu. Et c'est une personne qui marche dans, selon les fruits de, qui porte les fruits de Galates 5:22, l'amour pour Dieu, l'amour pour les frères et sœurs, qui prie pour ses ennemis, qui prie, qui bénit ceux qui la maudissent. Et voilà. Donc on le sait, comme quand on est amoureux, on le sait. Appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime garde mes commandements. Soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront jugés.